un intérimaire formé au PASI, on a la garantie que c'est quelqu'un qui est intégré au fonctionnement d'un chantier de construction. Et donc, ce sont des gens qui sont moins accidentés que les autres. On a une démarche qui consiste à prendre, au niveau des intérimaires, que des gens qui ont le PASI, puisque ce sont des gens qui sont formés pour aller sur les chantiers. Et donc, nous, quelque part, c'est la garantie d'avoir les meilleurs compagnons, avec cette appréhension du compagnon intérim qui arrive sur le chantier, qui connaît déjà les règles et qui sait tout de suite s'intégrer aux équipes de production avec nous. Notre volonté qui est d'avoir zéro accident, le fait d'avoir le PASI, pour l'entreprise, c'est gagnant. Les intérimaires avec PASI sont 3 fois moins accidentés que ceux qui ne l'ont pas. Et donc, ça vaut le coup d'investir sur ce personnel PASI. Le combat pour la sécurité ne se gagne pas uniquement dans l'entreprise. C'est un enjeu de toutes les entreprises générales de France. Je pense que pour avoir le zéro accident, ce qui est visé par tout le monde, c'est vraiment un défi collectif.